Bonsoir. Alors, je suis très heureuse d'être là ce soir pour ce gala sur l'écologie. Je viens d'apprendre que la Suisse a été classée numéro 1 des pays les plus écologiques du monde. Donc, félicitations à la Suisse. Nous, en Belgique, on a été classé numéro 1 de la pomme de terre la plus ferme en terrain boueux. On est vachement contents aussi. Bon, ce soir, c'est un gala sur l'écologie, donc j'ai fait une petite chanson en l'honneur de la Suisse. Oh, félicitons tous la Suisse, qui est l'heureuse détentrice du Grand Prix pour 2018, du pays le plus écologique. Grâce à vos nombreux engagements et toutes vos stratégies durables, la Suisse est définitivement un pays éco-responsable. Mais quand même depuis quelques temps, de plus en plus d'études affichent que les pires pollueurs en ce moment, ce sont les pays les plus riches. Et devinez qui est en tête, depuis 2 ans du palmarès, des gens les plus riches de la planète. J'ai un indice, c'est pas la Grèce. Alors rendez le prix bande de mythos, on sait tous qu'ils vous l'ont vendu. Le jour où les Suisses seront écolos, Daesh sera membre de l'ONU. Pays le plus écologique, mon cul, cet hiver encore la planète va se prendre 2 degrés dans la vue, rien qu'avec vos putains de raclettes. Vous pouvez pas être les premiers, alors qu'il y a plus de plastique dans le corps de Patrick Juvet que dans tout l'océan Pacifique. Parlez pas de développement durable, rien que fédéral est responsable de la moitié du CO2 engendré depuis 2002. Si c'était si chouette de vivre ici, vous cumuleriez pas aujourd'hui la plus grande espérance de vie et le plus haut taux d'euthanasie. Non mais tu m'étonnes que les mecs ils s'y connaissent en compost, c'est le pays où toute l'Europe vient crever. Alors rendez le prix bande de voleurs, sinon je viendrai foutre le bordel. Je m'installerai à Neuchâtel et je tirerai la chasse après 22 heures. C'est facile de parler de propreté pour réclamer une récompense quand chez vous les poubelles sont taxées et que vous allez les jeter en France. Ça, vous pouvez continuer parce que ça crée de l'emploi pour les éboueurs français. Et non, c'est vrai, ils sont de plus en plus nombreux et ils sont vachement contents. On les a jamais vus autant à la télé avec leurs palettes et leurs gilets jaunes. Enfin, c'est cool. Bon, j'avoue que c'est de la mauvaise foi. Peut-être vous méritez votre prix. On est un peu jaloux des fois de vos chalets et de vos pistes de ski. Mais quand même je parle au nom de l'Europe. Arrêtez de faire les malins avec votre beau pays tout propre où on vous refile nos Syriens, nos terroristes et nos bombes. Peut-être vous serez mieux intégrés parce que rien qu'à la Coupe du Monde, personne savait qui vous étiez. Bah moi je vais vous dire qui vous êtes. Vous êtes qu'une bande d'enculés. Désolée, c'est le couplet écrit par Manu Payet. Ils m'ont obligé à le dire. Ça, vraiment, c'est pas une très bonne idée. Oui, vous méritez d'être premier, car c'est super fort, c'est vrai, d'être élu les plus écolos de la planète, tout en faisant venir 10 artistes en avion pour 3 minutes de sketch.